tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Ce bandeau va vraiment vous servir pour X raisons. Pratique, quand on n'a pas les cheveux bien coiffés, quand on n'a pas la couleur totalement bien faite, ça rend énormément service. Prenez la mesure du tour de tête. Le tour de votre tête va représenter la longueur. Quant à la largeur, vous allez mesurer 20 cm. Prenez un tissu élastique. Pour ma part, j'ai pris du molleton qui ne s'effiloche pas, donc c'est très bien. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, il faudra passer un point de zigzag sur toute la longueur, ici et ici. Pour la suite, c'est très simple, il va falloir juste bien regarder. Plier en deux, ramener cette partie ici, cette partie la pivoter, vous allez vous retrouver ainsi, la pliure ici et ici. Cette partie, la rentrer là, à l'intérieur. Donc, on arrive comme ça, on rentre la moitié ici, ça vous donnera ça. Ce morceau, le ramener là, donc on est d'accord. La pliure se trouve là et la pliure ici. Ça vous donnera exactement ça. Je vous montre de plus près. Cette partie vient là et l'intérieur. Quant à l'autre, c'est le contraire. De ce côté-ci, vous avez la pliure ici et la pliure ici. Mettez les quatre morceaux bien à plat, épinglez, piquez la valeur du pied presseur. Point d'arrêt début, on pique, point d'arrêt à la fin. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Retournez sur l'endroit. Pour le mettre, il n'y a rien de plus simple. Et bien sûr, la façon de le porter fera toute la différence. Plus bas ou au contraire, plus haut. Vous pouvez le laisser comme ça, si ça vous plaît. Ou rajouter une bande de fourrure, imitation fourrure, bien sûr, tout autour. Ou rajouter des galons, des perles ou ce qui vous plaira. Pour ma part, j'ai un petit morceau de galon perlé que je vais poser. Positionner convenablement, épingler, coudre tout autour en suivant exactement le motif, en allant et en retour. On fait des points serrés. Voilà un modèle qui va vraiment vous plaire grâce à sa facilité. Vous pouvez le rendre encore plus habillé en rajoutant une broche. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors partagez-le! Pour ma part, j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!